Une pensée, un jour. Chaque jour, une voix céleste émane du mont Sinaï, proclame ces mots « Malheur à l'humanité pour son mépris de la Torah ». Ce texte est tiré du Maxime des Pères 6, paragraphe 2. Le Baal Shem Tov pose la question suivante. Quel est l'intérêt de cette voix divine sortant du mont Sinaï si elle est inaudible, si on ne peut pas l'entendre? Personne n'a jamais rapporté avoir entendu cette voix céleste. Mais le Baal Shem Tov répond, la voix divine ne peut être entendue par l'oreille, mais elle est perçue par la Neshama, c'est-à-dire par l'âme. Chaque fois que le remords s'éveille en nous et nous incite à examiner notre conduite et à regretter les mauvaises actions que nous avons commises, cela vient de l'appel divin qui est perçu par la Neshama. Il y a quelques années, cette affirmation était peut-être difficile à comprendre, mais aujourd'hui, nous savons qu'il existe effectivement des sons qui se situent au-delà du spectre de perception de l'oreille humaine et qui ne peuvent donc être entendus que par des oreilles plus sensibles, comme celles de certains animaux, ou par des instruments spéciaux. L'appel divin est réel. Notre Neshama, qui est sensible, l'entend quotidiennement. Chaque jour, Dieu nous fait signe et nous prie de revenir vers lui, dit le Baal Shem Tov, comme nous avons et comme nous sommes inconscients de rester sourds à cet appel. Cette pensée tirée du Rav Avraham Tversky, Vivre chaque jour, au micro de Radio Shalom, Charles Hugassi. Thank you.
Thank you.